Alors, monsieur Taki, qu'est-ce qu'on fait ici? Ah ben, je vous ai donné rendez-vous, on va aller faire une petite cueillette. Enfin, on va essayer, parce que les champignons, suivant les saisons, sont pas toujours au rendez-vous. Ah bien sûr, on a les champignons spécifiques de l'automne, et on va voir ce qu'on va trouver. On va voir si on trouve des pieds bleus, si on trouve des bolets, si on trouve, si on va trouver des chanterelles. On va essayer de faire un petit tour de la question, et voir les différentes espèces, ce qui est comestible et ce qui n'est pas. Vous le faites souvent, des cueillettes, comme ça? Oui, 6-7 fois par an. Ben nous, on fait des inventaires depuis 20 ans sur le site de Monviette Nature, à Monviette. Ben c'est une association qui recense ce qu'il y a dans le patrimoine du pays d'Auge, aussi bien la botanique, les oiseaux, les champignons, enfin tout ce qui bouge, plantation des haies, toutes ces choses-là, tout l'environnement. Comme ça, quand les gens se promènent, ils peuvent mettre un nom sur les choses qu'ils rencontrent, dire c'est telle ou telle arbre, telle ou telle plante. Mais je vous promets rien des trouvailles, hein. C'est l'occasion qui fait le larron. Hein. Les champignons, ils ne sont pas toujours au rendez-vous. Mais enfin, en ce moment, c'est propice, on devrait trouver matière à réflexion. Voilà, mais ça fait sûr. J'ai des questions à vous poser, je suis très curieuse de nature. Alors, nous avons à peu près 14 000 variétés de champignons en France, de recensées à la SMF à Paris. Sur ce nombre-là, il y a 29 mortels actuellement, il y a 240 toxiques, et il y a 1160 comestibles, entre parenthèses. Sur ces chiffres-là, il y a 100 comestibles à peu près, on va dire, potables, et seulement 30 grands comestibles qui ont des goûts propres à eux-mêmes, qui suffisent à eux-mêmes. Les morilles, les tricholomes de Saint-Georges, toutes ces choses-là. La truffe, voilà. C'est le bolet du chêne. C'est l'Echinum carcinum. Alors celui-là, à la cuisson, il noircit. Ah oui? Mais c'est pas un critère de non-comestibilité. Et alors, dans les bolets rudes, c'est un des meilleurs. Il est bien. Ah là, il y a tout est bon. Il est bien ferme. Là. C'est magnifique. Ah ouais. Il y a un petit violet encore. Ah, vous voyez, c'est des tubes en dessous. Hein. Ah, c'est marron ça. Voilà, je vais ramasser ça. C'est bon ça? Ouais, non, mais t'as pas l'épaisseur. C'est du bolet? Bolet du Bouvier. Boletus bovinus. Toutes ces choses-là, vous enlevez un tiers du pied tout le temps. Ben, c'est des tubes plus courts. Hein. Faut toujours enlever les deux tiers du pied, à part les très très bonnes espèces. Et enlever la mousse. C'est considéré comme un excellent comestible. Qu'est-ce que c'est? C'est des petits inocibles. C'est inocible géophila. C'est inocible à l'âme couleur de terre. Alors c'est des petits champignons, les inocibles, qui sont bourrés de muscarine. Il y en a environ 350 espèces. Voilà. Bourrés de muscarine, hein, pas à manger. Oui, toxique. C'est un cep d'été, ça? Oui, c'est un vrai cep. C'est tout petit. Et donc on voit au pied la forme arrondie, peut-être? Oui, tout ça, puis le réticule qui est là-dessus. Puis en dessous, oui, c'est des tubes. Mm-hmm. Mais c'est très 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 jeune. Mm-hmm. D'accord. Vendu. Il y en a encore. Attends. Une grenouille rousse. Ouais, elle est mignonne. Comestible. Hein. Oh, elle est mignonne. Hein, comestible. Ouais, fais regarde. Oh, on va manger des. Alors, vous voyez, ça, c'est la grenouille agile parce que le pied dépasse la tête. Sur les autres grenouilles, on ne peut pas rabattre le pied aussi loin que ça. C'est vrai, c'est une espèce de forêt, ça. Oui, oui, il faut l'aller. C'est, le critère, c'est de passer la jambe par-dessus la tête. Il y en a d'autres, là, on vous en a laissé, là. Ben, quand on le prend, ça se met à fumer. Oui. Mais c'est des pesis. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ah, voilà. C'est bon, c'est pas bon. Ben, normalement, ça se consomme. Hein. Ouais, mais je sais pas si celle-là se consomme. Non, pesis badia. Et ça, c'est bon, ça, ou c'est... Yeah. Oui, ouais, ça fume. C'est les spores qui libèrent les spores parce qu'on le met en souffrance. Mmh. Mais alors, celui-là fume énormément. Oui. C'est marrant, ça fait comme une fleur. Mais là, ils sont très avancés, maintenant. Ça a du goût, oui, ça Non, pas spécialement. C'est bon, hein, c'est pas terrible. C'est les champignons qui font les arbres. Les arbres ne peuvent pas de se développer seuls. Ils sont tous mycorhizés avec un champignon propre. Ah ouais. Il y a des champignons qui sont propres à plusieurs arbres et certains juste à un seul arbre. Un mycorhize, c'est un manchon sur la partie la plus fine de la racine de l'arbre avec la partie la plus fine du champignon du mycélium. Et ça fait un petit manchon qu'on appelle une mycorhize.
Alors, ils font un échange entre les deux à travers ce manchon. L'arbre envoie du carbone au champignon qui ne peut pas faire la photosynthèse, qui ne peut pas faire le carbone. Et le champignon envoie des sels minéraux à l'arbre qui ne peut pas faire. D'accord. Et voilà, ils vivent en symbiose. Voilà. C'est un bolévé. Le bolévé, quand il est bien frais comme celui-là. Il fait bleu. Il fait bleu quand on appuie avec le pouce. Ah oui, voilà, bah c'est, oui ça. C'est ça. Oui. Voilà. Ah c'est, oui. Ce sont si distinctifs. Ah, il est beau. Ça, ouais, ouais. C'est un bonbon comestible. Malheureusement, c'est un accumulateur de métaux lourds. Ah. Bon, voilà, à la fréquence qu'on en mange, c'est pas. Ouais. C'est Colibia maculata, ça. C'est un champignon un peu amer, sans intérêt. Très belle forme. Hein. Mmh. Et puis là, vous avez des Zygophoropsis, la fausse girole, oui, mais, qui est un vrai bon champignon. Ah oui, ça c'est bon, le fausse girole, tu vois. Même le petit bout, hein. C'est marrant, hein. Ouais. Mais autrefois, on se servait de ce bois-là, on le récoltait pour l'utiliser en marqueterie. Et alors pourquoi il est vert? Bah à cause du mycélium du champignon qui est dedans, qui lui, quand il est dessus, comme ça, si on en trouve un, qui est vert de la même couleur. Ah ouais. Allez, Ruginosa. Ah oui, ça lui donne vraiment une coloration spécifique. Ouais. Mais c'est pas juste en surface, c'est tout le morceau de bois qui est comme ça, dedans, oui. Ça, c'est une petite langue de bœuf. Langue de bœuf, tu connais? Oui. Voilà. Fistuline et hepatica. Donc ça pousse sur les arbres. Sur chêne. Sur les chênes. Mm-hmm. Hein? C'est une toute petite, ça. J'aurais pas dû l'accueillir, mais c'est pour vous faire voir. C'est pas comestible, ça? Si, c'est comestible. Faut bien le déboîter en bas, faut bien le déboîter. Faut le tirer et le déboîter en même temps. Voilà. Il est long, hein? C'est un volet rude. Ça peut être bolet du charme. Là, il y a un charme au-dessus, c'est Boletus carpini. Donc là, il y en a un autre. Il faut déjà les repérer, quoi. Vous voyez, c'est... Ah, c'est joli, ça, hein. Ça, c'est un bolet à anneaux. Alors, la chair est jaune, et quand on veut les manger... Il faut enlever le... On retire la cuticule qui est visqueuse. Ah, c'est marrant. Visqueuse et laxative. Ah, d'accord. En plus. Mais c'est un bon champignon. Alors, je lui fais voir là. Et le voilet, pourquoi? Il est où le voile? Ben ah, tout ça, dessous, ça c'est le voile. Il faut l'enlever le voile? Non, non. Et ça en dessous, oui. Et des tubes après en dessous. Ah ouais, d'accord. Alors tous les champignons à tubes sont des qu'on appelle communément bolets. Seuls les quatre bolets à chair blanche immuable qu'on nomme cèpes. Cèpes de Bordeaux, cèpes bronzés, cèpes des pins, ainsi de suite. Et sinon? C'est tous des bolets. C'est tous des bolets, c'est tout le même genre. Il y en a environ 250 sortes. Champignons à croûte dure. Ouais. Ben, c'est une série où ils ont tous la croûte très dure. La pellicule du chapeau très dure. Ouais, et ça pousse sur plusieurs années. Tous les ans, ça fait une strate supplémentaire. Non, c'est pas comestible. Ça vient surtout sur et là, là, en gros plan, en macro, il y a un tout petit escargot de forêt très, très spécial. Ben, tous les ans, entre 20 et 25 000 personnes ont des intoxications avec plus ou moins de dégâts, plus ou moins véniel. Ah ouais? Mais il faut dire qu'il y a toujours quelques morts tous les ans. Hein. Quand on veut manger des champignons, il faut être sûr de la valeur générique du champignon. Si on n'est pas sûr, il faut voir un pharmacien ou un spécialiste. On ne mange pas aucun champignon non identifié. En combien de temps ça pousse en fait? Oh ben, ça peut pousser en une heure, en une nuit. Hein. Une grosse veste de loup comme ça pousse dans la nuit. Hein. Mais quand vous allez des grandes prairies au rosé des prés, vous partez pendant 2 heures, vous allez ramasser les champignons, vous revenez de l'autre bout de la prairie, 2 heures après, il y en a d'autres qui ont repoussé. Hein. Certains poussent en quelques heures, d'autres en 2 jours, 3 jours. Le champignon, il l'a cueilli avant qu'on arrive. Et en fait, le temps de la balade qu'on a faite là, il est en train de s'ouvrir, il est en train de mûrir. Le petit voile en fait autour est voilà. En train de se déchirer. Le voile partiel. Voilà, qui protège les... Le chapeau s'ouvre et ça libère le voile partiel là, qui va former un anneau. Et le voile partiel, c'est pour protéger les lames au moment de la croissance. C'est des sclérodermes. Ça sent,
ça sent la chambre à air, le caoutchouc. Hein, là, vous en avez un qui est mûr, qui a explosé. Ah oui. Et puis là, je vais vous faire voir celui-là. Avec celui-là, on fraudait les conserves de truffes, parce que la chair est violette dedans. Alors, les gens épluchaient, ils en mettaient dans les conserveries pour falsifier la truffe. Ah d'accord. C'est hein? Strange, alors, c'est comestible. Non, c'est légèrement toxique, mais... Ah ouais, ça sent bon. Ils ont magouillé avec les truffes, ça, pendant des années, des années. Hein. Il n'y a que le microscope, qui peut faire la différence. C'est mis bien. Lycoperdon saccatum. Veste de loup en sac. Hein. Ah oui, d'accord. Veste de loup, c'est ce que disait Martine. Veste de loup. On peut les manger. Ça va le faire. Alors, ça s'appelle comment? La caria, la cata, variété améthystine. Voilà. On regarde comme ça, il est plus violet. Hein. Et la différence. Sec et pas sec. Mais alors, ce sont deux différents, en fait. C'est les deux mêmes. Les deux mêmes, mais un qui est sec. Ces champignons qui sont dits hygrophanes. Ils changent de couleur en séchant. Là-dedans, il y a ça. Alors voilà. Ça, c'en est une, et ça, c'en est une. Faut tout connaître. Donc il y a deux phases. Il y a la petite en fait. Et puis la... Bah, non, il y en a qui grandissent pas, il y en a qui mangent mieux, c'est comme les humains. Il y en a qui mangent bien la cantine, d'autres qui mangent moins bien. Il faut les connaître toutes les formes, là, c'est magnifique ça. Alors c'est pas des lamelles, hein, c'est des plis. Hein. C'est pas des lamelles, c'est des plis. Ce sont des plis. Ah c'est marrant. Hein. Ah c'est une coloration. Alors il est pas, ce Myxomycète là, il n'est pas au stade parfait. Hein. Je ne connais pas particulièrement, mais assurément, c'est un Myxomycète. C'est ça qui rend la souche d'arbre verte? Non, ça n'a rien à voir. Ah, ça n'a rien à voir, j'ai bien compris, moi. Ah bon, d'accord. Ça, celui-là, c'est... il se trouve là comme ça. C'est ceux qui se déplacent? Oui, c'est ça. Ah ouais. Je vais le garder. Comment ils font pour se déplacer? Ils rampent comme des amibes, hein, je vous l'ai dit l'autre jour. Ouais. Ils rampent carrément, ils ont des... C'est un plasmode hein, qui se déplace par contraction. Non, je vais le mettre dans mon panier, mais je ne vais pas récupérer le panier, je vais le ramener. Alors les saisons des champignons, c'est toute l'année. On commence au mois de mars avec les morilles, les hygrophores de mars. Après, on va avoir le mois de juin les premières girolles, les antholomes, les mousserons au mois d'avril, les premiers cèpes d'été au mois de juin, ou des fois dès le mois de mai. Après, si la saison est pluvieuse, ben on va sans discontinue jusqu'aux premières grosses gelées. Et l'hiver, ça se termine avec les truffes et les champignons d'hiver. Et comme ça, on a bouclé l'année.